Et coucou YouTube et bienvenue pour cette nouvelle rediffusion, nouvel épisode des décorations d'intérieur. Je continue de découvrir le let's play. Hein. Pour l'instant, je suis pas très avancée. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont devancé. On est toujours au niveau 4 de la carrière. Ouais, c'est pourri. La meuf qui est là en avance mais qui est en retard par rapport à tout le monde, c'est logique. Et ben voilà, Juskurt est là et puis il va décorer et regardez qu'il y a dans sa petite baignoire, c'est Astrée. Bah oui, elle a passé la nuit à la maison, il s'est rien passé, ça a été chaste. Spoiler alerte, c'est pas vrai. Et bien sûr qu'on va se mettre au travail. Peur, qui a peur? Qui a peur des jambons beurre? Ah! On est en appart. Alors, c'est celui-là. Mais il y a plusieurs étages là-dessus? Bon, on verra bien quand on sera en mode construction, mais bon. Mais il est très bien cet appartement! Qu'est-ce que vous voulez changer? Il n'y a pas. Il faut que je refasse tout. Il n'y a personne. Mais il est trop bien! C'est lequel? Attendez, celui-là, normalement, on a un appartement. C'est celui qu'on avait avec, avec le Legacy. Ok. Je vois à peu près. Oh, il est trop beau, cet appart. Comment tu vas faire pour examiner? Mais moi, j'ai pas envie de le changer. Il est bien. Oh, putain, ça va être long. Marqué? J'étais justement en train de me dire, mais il n'y a pas de chambre. Puis là, je vois un mec qui descend des escaliers invisibles. Ok, j'ai compris la douille. J'avais pas vu l'étage. Ouais, l'étage, il est pas beau. Mais le rez-de-chaussée. Et j'espère que c'est l'étage qu'on se retape. Hein. C'est toi, notre client ? Ah, en présentant. Je me disais aussi, il n'y a pas de chance, c'est chelou quand même. Ils font deux étages de là. Oui, mais c'est ce que je me disais, mais comme je voyais pas l'escalier au premier abord. Il n'y a pas de chambre. Un peu de couleur, peut-être qu'il aime pas le noir et blanc. On verra bien. Alors, on va avoir la planche tendance, le tableau Sims Terrace, discuter des tendances de déco, montrer son portfolio. Nurska, Astro, et discuter des tendances. Yups, mystère résolu, mais oui. Mais vraiment, bah après, pourquoi il m'a pas affiché l'escalier, je comprends pas. Parce que maintenant, il affiche, c'est bon, hein. Est-ce qu'on est à un bug près? J'ai envie de te dire que non. J'espère que c'est l'étage. Est-ce que vous pensez qu'on a déjà tout? Suggérer une autre couleur. Décoration d'intérieur. Discuter des styles de décoration. On verra s'il aime bien ou pas une couleur. Mais il me dit, oh, j'aime pas le noir. Oh, t'es entouré de noir. On va bien voir, hein. Kimbo, Yambara. Zorbal.
Gnarla Une, hein? Arambola. Charg Farfouche. Charg Farfouche. Allez, vas-y. Jabin. Hemkuna. Hipsawook. Narima Vola. Arbizi Ali. Dishun. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai toujours pas. J'attends de voir une bulle avec un truc barré ou pas. Bah non. Suggérer une autre couleur. Je pense qu'on a on doit tout avoir à l'heure qu'il est. Pour les préférences de ce monsieur. Ah, bah tu... oh, il aime, mais il aime quoi? On ne sait pas. Je m'attendais à voir les bulles, moi. Oh, c'est nul. Ok, ben, attendez, avant qu'il se barre. Il aime pas le noir ni la cuisine. Aïe, aïe, aïe. Mais il aime les cocktails. Mais j'avais pas 4 trucs. Ou je suis pas encore assez avancée pour en avoir 4. Bon, bah, casse-toi. Il aime pas le noir. C'est vraiment trop nul. Bien sûr pas que j'oublie les photos. On va déjà regarder en mode construction. Bien sûr, c'est le rez-de-chaussée qu'il faut se taper. La 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 la. J'adore les sushis. J'adore les sushis. C'est là où il y a bien sûr le plus de place. Vous croyez quoi? On va changer les couleurs, hein, c'est tout. Hein. Tout est noir et gris, mais c'est ce que je préférais, moi. C'est ce que je préférais, moi, Jacqueline. Je sais pas, viens. Fais les photos. On va aller faire les photos. C'est ballot, il aime pas le noir, alors qu'il y a que ça. C'est dommage. On va mettre du... de l'arc-en-ciel. Voilà. Bah, il y a aussi un peu de vert d'eau, là, comme ça. Moi, déjà, je mettrais dans l'autre sens, je pense, le salon. Faut que je me souvienne de la taille, enfin, de là où j'ai pris les photos, parce que, bon, la plupart du temps, j'oublie, quoi. Et on va dire adieu à la cuisine, hein. Il n'y aura plus de cuisine. Il aime pas. Donc... il n'y aura pas de cuisine dans cet appartement. Il ne pourra pas se nourrir. Et tout ce qui rappelle la cuisine, ben, sera banni. Donc, adieu à la cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire à la place d'une cuisine, franchement? Hein? On n'en sait rien, on est d'accord, hein? Ouais, ben, ça va promettre d'être sympa, cette histoire aussi. Et est-ce qu'une salle à manger, ça va aller aussi? Ou est-ce que c'est trop cuisinaire? Putain, mais en plus, la cuisine, elle est genre... énorme! Ok. Hop, 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 hop. Hop, j'aimerais juste aller là. Je suis désolée si ça rame, hein. Vraiment. Cuisine! Cuisine! Exactement. Un bar pour picoler. Ouais! On va faire un bar à l'intérieur, ce sera une nouvelle boîte de nuit, tu vois. Ça va être ça. Tu fais une cuisine minimaliste. Ah non, 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 je fais pas de cuisine du tout, hein. Ah ben, ils sont assez relous comme ça, hein. Bon, et tout ce qui est salle d'eau, en vrai, je vais changer les couleurs. Elle est plus grande que mon appartement entier. Hey, tu peux partir, s'il te plaît, on va commencer la réno à nous. On va travailler. Je suis ravie. C'est votre faute, hein, encore ça. C'est encore de votre faute, tout ça. ça fait trop bizarre, j'ai du mal. Adieu la cuisine.
un bar. Pas grave, il va avoir un méga bar. Oh, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre le méga, le bar de Batou. Parce qu'on peut faire un méga bar dans le truc de Batou. Moi, je vire tout. Il y a des trucs en vrai, je les ai jamais vus, hein. Limite. Ouais, ça, je la vire aussi. La lampe, elle est juste... Elle est folle. J'aime bien. J'avais pas vu le micro-tapis. Bon. En vrai, il était cool, cet appart. Va savoir dans quel état il va retrouver le... Pourquoi il y avait ça à l'intérieur? Et comment il rentre dans la... Mais la salle de bain, j'ai tout supprimé? Mais il a pas de porte pour rentrer? Patron prime. Ah, t'as pas vu ce que le client veut? Salut Laura, comment vas-tu? Barbecue au coin du feu avec quoi intérieur? Oui, bien sûr, foutre le feu. Une table pour le livreur de pizza, dépose sa marchandise quelque part quand même. Oui, ouais, j'avoue. Ouais, ouais, après, je me disais qu'on va faire un grand salon. Ah, ça, ça dégage aussi. En gros, ben voilà, tu l'as au-dessus. Il n'aime pas le noir, il aime pas la cuisine et il aime la mixologie. À partir de là, ben, j'ai supprimé toute la cuisine. Ben, parce qu'il n'y en aura pas. On va enlever absolument tout. Ok. Je vais partir sur un truc vachement plus chaleureux. Déjà, rien qu'un parquet comme ça, c'est plus chaleureux. On va le mettre en blanc. Oui et non, je vais pas le mettre en blanc. Parce que... Mais au moins, ça me permet de voir un peu plus clair. J'ai laissé l'ordi parce que je me dis je peux pas faire un coin bureau ici, le salon là et un bar. Un méga bar. Alors, on va choisir dans le bar. Si je trouve, c'est là. Vous savez, les bars pour de Batou. C'est là. Il y a quoi comme couleur? En blanc. Je crois que finalement ça va être petit. Hein. Ça va être petit. Ouais, bon, on va voir avec ça déjà. Oui, il n'y a pas de noir, regardez, c'est blanc. Il peut être que content. Bon, j'ai pas mis bébé mon Jex. Voilà, comme ça on peut jouer comme on a envie. Je sais pas comment je vais caser ça. Moi. Je peux même faire deux bars. Regardez. Vous avez un bar là. C'est pas mal. C'est pas son problème s'il fout le feu. Mais je suis d'accord. Mais bon quand même. Histoire de... Non, je fais pas de kitchenette. Ah non, il aime pour la cuisine. On va cliquer sur cuisine. Alors, il veut pas de frigo, pas de micro-ondes, pas de barbecue. Je peux quand même avoir des meubles.
des comptoirs et tout, mais tout le reste, c'est mort. Tout ce qui est noir, il aime pas. Ouais. Il y a quand même beaucoup de choses avec du noir, hein, Jean-Claude. Ah ouais, mais il y a beaucoup de choses avec du noir, là. C'est quasiment tout le répertoire. Oh, salut Roselyne, merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à vous. Ça fait plaisir. J'espère que ton live s'est bien placé. Il s'est bien placé. Oui, bien sûr. Il s'est bien passé, tout simplement. Merci beaucoup pour ton raid. Bienvenue à vous. Il aime pas la cuisine, j'imagine, les prochains propriétaires. Mais vous avez pas de cuisine, c'est ça? Ah, mais il y en a un, si tu joues à House Flipper, si tu connais un peu le jeu, tu vois qu'il y en a un, il veut pas de cuisine. Donc nous, on est sur une petite mission de décoration d'intérieur. Je suis pas avancée, hein, je suis au niveau 4. Et là, on a pour mission de limiter... Alors, c'est une rénovation d'étage au rez-de-chaussée. Le monsieur aime la mixologie et il n'aime pas la cuisine et le noir. Le problème, c'est que c'était quasiment tout noir en bas. Donc je viens à peine de poser les barres là de batou. Parce que je me dis que c'est des grands trucs qui prennent de la place. Donc ça va meubler un petit peu. Donc voilà. T'avais voté 2. Oui, vous avez voté un peu tard aussi. Ça va bien Roselyne et toi? Tu me découvres? Eh bien, et bienvenue. Bah, ouais, je fais des lives sur Twitch, essentiellement sur les Sims 4. Mais aussi sur d'autres jeux. Comme Phasmophobia. Et puis on découvre des jeux en général le dimanche. On a fait quoi? The Tenants, Castle Flipper. Alors, moi, je suis plutôt jeu de gestion, jeu de déco et jeu d'horreur. Voilà. Pour résumer un petit peu mes préférences. Donc, ça veut dire qu'on est un peu là-dessus. Et j'ai aussi une chaîne YouTube. Voilà. Si ça vous intéresse d'aller checker un petit peu, eh ben, vous n'avez qu'à taper YouTube. Et vous avez la chaîne où là, c'est quasiment que des vidéos Sims 4. Voilà. Et salut Chaussette, j'adore ton pseudo. Et vous êtes les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez. Et toi, tu faisais quoi, du coup, Roselyne? Ça va être tellement difficile de faire une déco sans noir. Ça va être difficile. Hein. Genre ça, c'est hyper cool, en vrai. Mais bon, pas en noir, hein, mais... pour utiliser ça comme déco. Ouais, je sais pas. Alors, je suis désolée, j'ai mon jeu ou ma cam qui rame un petit peu. Je sais pas pourquoi. J'ai redémarré plusieurs fois le jeu, mais ça continue à faire des petits... voilà, ça rame un petit peu. Je sais pas. Moi, j'étais sur les Sims, j'ai terminé 2 challenges que j'avais en cours. Ah, c'était lesquels? Eh ben, bienvenue à toi, Rosine. Merci beaucoup pour ton follow. Ouais, je suis toujours que... ah. La litière gloutonne. Rien à voir, hein, mais voilà, je découvre. Alors, mixologie, qu'est-ce que tu me proposes? Tu me proposes tout ça. Ouais. Les barres de batouf sont bien contentes. Mais écoutez, moi, j'aime bien, moi, ce... comme ça, ça fait plein de place. Alors, non, on veut pas prendre du noir, c'est bon. Alors, au niveau couleur, on va prendre tout sauf le noir. Hein. Rouge, rose, orange, jaune, vert. Bleu, mauve, blanc... gris, marron clair, marron foncé. Voilà. Hein, le problème, c'est qu'il va me sortir des trucs noirs quand même. Hein. Ou alors, on tape dans... ça, c'est pas mal. Merde. Avoir plein de... pour inviter tous ses amis. Cet homme-là, il préfère boire que de manger. Voyons. Au-dessus de ma tête. Les challenges des psyplés et ceux des... je connais pas du tout. Désolée. Vraiment, je connais pas du tout. Alors, en décoration... ah oui, c'est vrai que j'ai tout coché. Ah ! Voilà, j'ai tout enlevé. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre les trucs de bouteille. C'est à mon avis, les trucs de bouteille, ça doit bien le faire derrière.
Enfin, pour des bars en même temps, ça me semble logique, hein. Sauf que je sais jamais où les trouver, les trucs de bouteille. Et alors, c'est pas ça. Sinon, c'est avec au restaurant, si je dis pas de bêtises, donc... oui, ça. Là. Qu'est-ce que vous avez comme couleur à me proposer? Un tricolore et tout ça. On va prendre bleu. C'était cracra comme ça sur les bords, ce machin? Oh, c'est tellement énorme, ça. Je les utilise jamais, ces trucs-là. Je suis sûre que ça peut faire des super effets. Mais bon, je les utilise jamais. Bon, il y a X. Ah ouais. Je crois que je pensais plutôt à celui-là en vrai. Celui-là, il est un peu plus fun au niveau couleur et tout. Ah bah là, il y a du noir donc non. C'est dommage que le noir il ressortait bien avec la couleur. Eh ben, bleu. Il pourra prendre des chips au bar au pire. Oui, c'est ça. S'il faut, il fait un régime hyper strict, tu dois rien manger, du coup rien que de voir la cuisine, ça le frustre. Il en veut pas, c'est exactement ça. Mais je devrais faire la même chose. Je vais entièrement casser ma cuisine et faire à la place un dressing. Voilà. Ça, je mange plus. J'ai décidé de ne plus manger. Hop. On va mettre des bouteilles puisque monsieur est alcoolique. Mais pourquoi je peux pas la mettre le dernier? Ouais. Mais. Oh, j'avais pas vu le budget. Ah, ça coûte trop cher les bouteilles. J'avais oublié le budget. Mais il est cher le budget du... 1170. Ah ouais. Oh, je vais supprimer des chaises. Ah non, mais à un moment donné... Ouais, vous savez quoi? On va vendre la télé aussi, parce qu'elle elle ramène de... La thune? C'est bon, j'ai 4000 de plus. Ah, bon, ça, ça coûte pas cher. C'est pas, c'est moins beau, mais ça coûte moins cher, donc on va garder ça. Hein? Voilà, on est près de nos sous. C'est de la rénovation, mais il faut quand même penser au budget. Je me rends pas de soucis. Bon appétit à toi, Rosie. Ça va ouvrir la droite à la glacière, il me semble. Ah bon? Je vais voir ça. Tu t'es emballé. Bah, j'avais oublié l'histoire du budget. Excuse-moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la déco. Moi, je suis dans un autre monde, moi. Attention, hein. J'ai oublié tout ça. Ouais, non, bah non, je sais. Ouais, bah non. Ah, non. Oh! Bien sûr. Bien sûr. Pour une déco steampunk, n'hésitez pas. En vrai, sympa. C'est sympa, mais. Si tu mets pas ça. Comme ça, quoi. Bon! Ok, le bar, il est pas contre les plantes vertes. Sur le coup, là, on peut encore même mettre des plantes vertes. Hein? On va mettre ça. On va mettre une petite plante... Ah, mais tu veux pas te mettre là? Aïe, 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 aïe. Attendez. On va sortir la fameuse étagère rouge que je sais à peine faire à... Hein? Voilà.
chien ne mâche pas pour moi en tout cas. La 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 la. Vous trichez un peu. C'est vrai qu'il y a tous ces trucs là, les cubes de rangement. Il y a pas de noir dans les plantes. On est d'accord, ça passe. Je vous jure, ça va être long. Je sais pas. Construisons notre propre bibliothèque. Je crois que j'ai pas eu les yeux en face des trous sur le dernier. C'est pas mal. Bon, je suis pas sûre, mais m'a pas semblé la voir quand t'as cliqué sur la cuisine. Ah, on va aller voir. Ouais, a priori, la glacière, ça passe. Mais il aura un coin glacière. Non, mais là, regarde, il veut du bar. Il en aura. Mixologie. Bon, écoutez, j'ai pas trop d'inspi. On va passer au salon. Ouais, d'ailleurs, mettre une plante verte. Là. Passer en détail la plante verte. Je sais pas tout enlever, hein. C'est pour faire des économies. Hein. Lol. Ou alors là, je vais mettre un... Comment ça s'appelle? Un fauteuil. Un petit fauteuil dans le coin. Et sachant que ce papier peint ne restera pas comme ça, pour mettre des espèces de rideaux un peu funky, faire ambiance. Bar, boîte. Tout ça. Un fauteuil. Oh. 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 Un petit fauteuil de l'amour. Comme je t'aime tous les jours. Petite touche de couleur là. Tabernacle. Oupsie, pardon, la Sims 3. La caméra Sims 3 que je ne gère pas du tout. Et on ne doit pas oublier les lumières et les ridales. Alors, les lumières. J'ai l'impression d'être au ralenti parce que comme déjà le jeu rame un peu, j'ai l'impression que moi aussi je rame toute seule, moi. Ah non, qu'est-ce qu'on va mettre comme lumière? Les lumières cocktail. Serait-ce la deuxième fois de ma vie que je pourrais les utiliser? Elles sont ouf. Comme c'est, je les zappe dans ma tête automatiquement hein, quand je les vois, donc... Ah mais elles coûtent cher. 370, ça va. Ça ajoute de la gaieté, hein. Regardez la lampe cocktail, vous qui aimez la mixologie. Comment? L'objet est actuellement verrouillé. Oh bah non! Bah c'est vrai qu'on... Oh merde. Bah oui, parce qu'on est pas en... on est en mode construction, mais on est en game, en construction avec gameplay. On n'est pas juste en construction. Zut! Oh zut! Oh, je suis tristesse. Ah là là! Bon, je pensais à ces rideaux là, mais. Le truc, c'est qu'ils sont pas assez longs. Donc ça va être moche. C'est la débandade! Tu ne sais pas quoi faire, tu rames. Ça, c'est trop haut. Est-ce que t'as des beaux petits... Au niveau...
niveau couleur, on est quand même... Ce print, il me fait penser à Vie à la campagne. Quoi, fail? Bah oui, bah excuse-moi. Hein? Hein? J'avais oublié, moi, qu'il était bloqué, ce truc. Bah, tu l'utilises tous les jours. Tu savais que c'était bloqué avec la carrière mixologie? Ah non, arrête. Hein. Arrête. Hein. C'est pas vrai. Oh, tout est moche. Vas-y, ça m'énerve. J'arrive pas. Ou alors les rideaux de... Ouais, ils sont trop grands. Ils sont bien, ces rideaux de restaurant. Parce que quand vous avez vraiment envie de cacher et tout, je trouve qu'ils sont cool. On va les laisser en blanc. Voilà. Puis pour papier peint, faut vraiment qu'on trouve autre chose. Parce que là, ça va pas du tout. De toute façon, ils n'arrêtent pas de venir et de passer et de repasser. Vous voulez admirer aussi le bruit? Tu vois, je savais, Marine, que tu disais des bêtises! Moi, c'est une bonne nouvelle puisqu'ils sont vous. Non, parce que ça continue de taper dans mon plafond. Ambiance assurée. Le papier peint fantôme, c'est le bon coup assuré. Merde, j'appuie pas sur la bonne touche, moi. Oh, ça rend bien. Les petits bateaux. Petits bateaux. Ouais, non, mais blanc comme ça, j'aime pas avec les trucs au final. Parce que j'ai pris la facilité de remplacer comme ça, mais... Oh, c'est vrai qu'il y a celui-là. Après, j'ai mis en cette couleur-là, mais c'est pas obligé de rester dans cette couleur-là. Hein. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que... Ouais, pourquoi je regarde dans les carrelages, moi? Bon, et eh ben, ça m'énerve. Il y a des gamins qui hurlent pour changer... Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Allez, bleu nuit. C'est pas noir, c'est bleu. C'est vachement plus classe. En plus, cette couleur est très jolie. Moi, je la trouve très classe. Avec des néons. Des néons sur les murs pour prouver qu'on a du goût. Ou pas, en l'occurrence. Hein. Avec des petites guirlandettes comme ça, non? Ils sont où, les néons? C'est dans... Où on n'a pas compris que c'est le bar, le cocktail, tsuro. Faut que je m'active un peu parce que vous allez vous endormir. Et ça fait 34 minutes qu'on est en record. Ça ne vaut pas du tout. Oh, je vais mettre ça. Alors, dans le salon. Bah ouais, mais il n'y a pas de place. Il y a trop de murs. Il n'y a pas assez de murs. Là, pour remplacer.
remplacer celle qu'on a enlevée. Voilà. Tac. Tabarnak. Tac, tac, tabarnak. Quoi mettre de plus? Ah. Le petit néon, là. Palmier cocktail, tout saut. C'est horrible. Ah, la vache. Parce que bon, à part lui mettre du cocktail partout, moi je ne sais pas. On va mettre un canapé. Comme je vois bien, je vais mettre les trucs de Moschino parce que c'est assez moderne cet appart. Et je me dis que Moschino, ça peut le faire. Voilà, comme ça. Blond. Là, j'ai quand même envie de changer, pas mettre le bleu, mais quelque chose qui pourrait... Vert. Un gris? Non. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur? Un violet. A plus, je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup, Chaussette, à toi aussi. Et c'est la pub, Marine a choisi la pub. Pendant 30 secondes de pub. Ah, attendez, asseyez-vous. Clac. Clac, 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 comme on dit dans le spectacle. Merci à tous ceux qui vont regarder cette pub. N'hésitez pas à mettre un petit message sur le chat comme quoi vous en avez une, puisque vous allez contribuer mon incroyable richesse qui en a grandement besoin pour que moi aussi je rénove mon appart. Voilà, on va dire ça comme ça. À tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voili voilou comme on dit dans le métier. C'est pas vrai. Si je m'étais je calais là comme ça. Et merci Pauline. Pauline Chou, c'est mignon. J'aime bien. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow. Alors, en table basse, je regarde le budget, on a encore 5000. On est large. On est même extra large. Est-ce que je prends... J'ai pas d'endroit où il n'y a pas de... Il y a pas une... Mais je vais quand même mettre là la télé. Il a pas dit qu'il était contre... Parce que je me dis, le meuble pour télé, on peut réutiliser ça. Ça veut dire qu'il faudrait utiliser la, des tables basses du pack, du kit, j'allais dire. Mais non, on n'est pas sur un kit. Genre comme ça. Coloris. Bien sûr. Sans... pas de noir, hein. On est... voilà. Peut-être parce que monsieur est raciste aussi, c'est peut-être ça. C'est horrible ce que je dis. En table basse, donc ils ont que ça. Ça va, elle est grande en vrai. Je ne suis pas. On va reprendre le même coloris. C'était celui-là, I think. Do I think well? Yes, I think well. It's okay. It is okay. Ça, il y a du noir dessus. C'est ciao, comme on dit dans le jargon. Oh, merci beaucoup, Céline, la brune, pour ta pub. Merci énormément. C'est où qu'on voit la pub? Bah, normalement, c'est au lieu de mon stream, tu as une pub. Mais ça veut dire que si tu l'as pas eu, bah tu l'as pas eu. Et salut, Léa, comment vas-tu? Pas de soucis. Télé. Télévision, on va pas... Alors, il avait une grosse télé. Il en aura une plus petite. Ah bah, c'est les aléas du... Hein? 3000. Mais c'est bien. Regardez. Celle-là, elle est bien quand même, non? C'est déjà bien, hein?
2500. Oh la vache. Oh, mais ça coûte trop cher leur télé dans les Sims. Mais ça coûte combien une télé? En même temps, j'en ai pas. Donc vous savez quoi? Paf! Allez, on n'a rien vu. Il a une grande télé, ça coûte moins cher. On n'a rien vu. Tac. Je sais pas, je voulais faire un petit je sais pas comment dire. Un petit micmac de... Ouais. Un truc comme ça. Bon là ouais, non, parce que le raccord il est pas perfect woman non plus, hein. Ouais, je sais pas, c'est utile. C'est pas utile, hein. Salut Dinko, comment vas-tu? Ouais, je sais, il y a encore la salle de bain, ouais, ouais. C'est pas utile, on le met pas. Mon titi! Tu t'es réveillé, chaton? Il a chaud, mon petit biquet. Ouais, mais t'as chaud, mais malheureusement, ce sera pas encore maintenant que tu pourras... Alors, c'est pas le même bois. La 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 la. Oh, ça c'est bien. Vous savez que j'aime bien ces lampes-là. Les lampes de mini-maison, je les adore. Je les mettrai toutes mes maisons. Alors, c'est blanc. Je suis pas encore sûre de la couleur là. Et ce sera en fonction du tapis aussi, je pense. Donc pour l'instant, tant que je ne sais pas, ben je ne fais pas. Il jouait du tapis debout. Ça va Nako, ça va bien. Tranquillement. Je voulais mettre, je sais. Et si on en a avec des... Ouais, la console. Ça c'est bien ça. Ça. Alors, on va la mettre. On va en mettre une. Ben là. La salle de bain avec. Qui a pas de porte. C'est quoi les portes à l'étage? C'est des vieilles portes comme ça, pourries. On va en mettre une porte comme ça. Hein. Peut-être la retourner histoire de. C'est logique, la porte est toujours comme ça. Logiquement, en tout cas, moi, je vis dans un monde où les portes sont comme ça, mais... C'est possible qu'il y en ait qui s'ouvrent autrement, mais... Hop, salle de bain. Bon, carrelage. Oh, on va mettre une petite touche... Une touche de Maroc. Oh, comme ça. Il a dit qu'il aimait pas le noir, il a pas dit qu'il aimait pas les couleurs vives. Ouf. Ouch. Le sol. Je sais, il manque plein de trucs encore à faire. Je suis bien au courant de la chose. Nickel. Ça fait un changement de taré. Les pieds noirs des canapés, ça passe. Ah, me fait pas de fausse joie. J'espère que oui. Oh, ça va, il va pas archigner pour ça. Hein. Oh, je te jure, si j'ai pas les sous à cause de ça. Je lui fous le feu dans toute la baraque. Ouais, moi je suis comme ça. Alors, salle de bain. Salle de bain. Alors, on m'a proposé de faire une salle de bain. Du moins une douche à l'italienne. Après, il y a eu tout un système de roues, j'ai pas compris. Après, je l'aime bien cette douche-là. Le problème, c'est qu'elle est de... Voilà, elle est en hygiène 3. Alors qu'elle est très bien, parce qu'à partir de ça, on peut faire beaucoup de choses sympas. Mais malheureusement, le coût de hygiène... Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ce qui va se passer. Là, je fais une grande douche. Je fais une cabine de douche, là, en fait. Ça se voit pas. Hein. Je vais pas avoir assez de budget. Je vais pas avoir assez de budget. La truc d'écologie. Ouais. Alors, voilà. T'es combien toi? T'as 20 balles. Ah, t'es pas cher. C'était... Ah, t'as 30 balles ici, toi. Mais toi, t'es... Ben non, t'es la même chose. Peut-être parce qu'il faut que je regarde la... Voilà, c'est bien, j'avais pas regardé la bonne taille. Voilà, c'est ce que je voulais.
On va tricher. La 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 la. Tu peux pas monter un tout petit peu quand même, Jean-Claude? Mais c'est bien ça, c'est parfait. Voilà. Et là, on va mettre une porte. Parce que je veux, évidemment. Je voulais une porte vitrée haute. Non, les seules portes vitrées qu'on a, elles sont petites. Voilà, voilà. Et elles font pas toute la largeur, ouais, ouais. C'est trop le bonheur, ouais, ouais. Oh, mais ça me saoule. J'avais pensé à ça. C'est trop, c'est petit, hein. C'est petit, petit, petit. Pas de choix. Pas de choix. Ça fait pas beau, hein. Du coup, bon, tapis sur blanc, c'est pas blanc. C'est de la merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire. Alors, salut Timéo. Il est parti, il y avait plein de trucs chez lui, il va revenir, il y aura moins de choses, c'est ça. Est-ce que tu as des conseils pour dire à quelqu'un qui ne veut plus être pote avec moi? Ce que j'ai sur le cœur, mais le problème, c'est que j'ai pas son numéro de téléphone. À quelqu'un qui ne veut plus être pote avec moi. C'est-à-dire que quoi? Toi, tu veux rester ami avec lui? Après, tu sais, tu peux pas forcer les gens. Enfin, c'est pas un des la chose, tu sais, que j'ai appris avec ma très très longue vie, c'est que tu pourras jamais forcer les gens à faire ou à aimer. C'est affreux ce que je suis en train de faire. Donc le problème, c'est que si t'essayes encore plus, ça fera pire. Tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Toi, tu veux rester ami avec lui? Tu peux lui dire tout simplement, voilà, moi je t'apprécie, je voudrais qu'on reste amis, tout ça, machin, après c'est à toi. Mais en vrai, tu ne pourras jamais forcer qui que ce soit à être ami avec toi. Ça, je peux te l'assurer, c'est la triste vérité. Je sais pas si d'autres dans le chat ont des trucs. T'as envie de lui dire ça, mais t'as pas son numéro. Bah après, est-ce que t'as toi son adresse? Je sais pas, tu pourrais toujours lui écrire une lettre, hein, ça c'est encore possible. Les lettres, c'est encore disponible dans le monde. Non, il y a du noir là-dessus, qu'est-ce que je fais? Mon dieu. Ça, en bleu, voilà, parfait. Tu peux toujours essayer de le contacter par lettre. Par mail. Par message Twitter, Insta, j'en sais rien. J'en ai aucune idée. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus, sur un petit carrelage. C'est moi, il y a des gens, ils ont plus voulu être mes amis, j'ai jamais eu d'explication. Bah voilà, c'est leur choix, c'est leur choix. Hein. Je me dis qu'au final, bah, c'est comme ça et c'est mieux. Enfin, c'est mieux. On est obligé de faire avec, donc voilà. Hein. C'est pas très joyeux ce que je raconte, hein, ça, j'en ai bien conscience. On va faire bleu dans une salle d'eau, c'est très logique. Ah, j'ai oublié ce mur-là. Il y a du mal, Jean-Claude, là, à mettre les couleurs. Bon, c'est pas terrible. Mais au moins, t'as la cabine de douche. Il me reste 2004. Hein. Mais c'est quoi cette salle de bain immense? On va lui mettre une petite baignoire, là. Elle est blanche et bleue. Regardez, on va essayer de meubler comme on peut. Hein. C'est pas comme si la dernière fois on avait refait une salle de bain où il y avait trop de choses à mettre dedans. Avec le pupitre et tout, là c'était n'importe quoi. On peut même mettre un toilette comme ça, dit. Ah, ça pourrait être rigolo. Avant je mettais que ça dans les Sims, moi. Comme ça vous étiez sûr d'être tranquille pour aller aux toilettes. Tous les toilettes, même ceux de ma maison. Je mettais ça, je crois, dans les Sims 2, je mettais ça. 400. Bon, on va y mettre celui-là, il est un peu... Bon. Bon, là,
baignoire. Je sais pas où la mettre, la baignoire. Bon, écoute, on va la mettre là. C'est la classe à Dallas, ou pas? On a vu comme ça sur la ville. Vous faites votre petit bain, et ben vous avez la vue, quoi. Et c'est bain with a view. Ce que je vais lui dire depuis que je l'ai rencontré. Ah bah, ouais, non, mais tu peux, hein. T'as largement le droit de t'exprimer, mais faut pas se faire d'illusions derrière. Tu peux surélever le coin douche, peut-être. Oula! Ça va me foutre en l'air mes murs et tout, j'ai... Ouais. Ouais, ce serait bien. J'avoue. Si tu peux être ton ami, c'est que t'en es pas un vrai. Ouais, j'avoue aussi. J'avoue, si s'il voulait pas... c'est qu'il valait pas le coup. Tu trouveras d'autres personnes meilleures. Qui sauront la valeur que... qui auront... valeur... Ah ! Qui sauront... ou qui auront connaissance de la juste valeur que tu as et qui te laisseront pas tomber la moindre case, quoi. T'as arrêté le Legacy ou j'ai raté un épisode? Mais pas du tout, Snoopy! Je n'ai jamais arrêté, c'est juste que cette semaine j'ai été très très peu en live, donc cette semaine on n'a pas du tout joué sur le Legacy. Sûrement ça reviendra la semaine prochaine, je pense. Voilà. C'est quand tu avais les motifs marocains pour faire une cassure. Ouais, mais non, mais t'as raison, ça reste pas mal. On va essayer de faire ça quand même, ça peut le faire. Ça a marché? C'est moi, je le fais très rarement, ça. Oh, et puis alors, avec l'appartement... Oh là là, je suis pas sûre qu'en appart ça fasse des trucs corrects. Hein. Bon, si, regarde, c'est sympa. Ah, si, si, ça fait cool. Merci pour l'idée. Oh, le toilette qui est tout seul ici. Alors, j'aurais envie de mettre des paravents aussi. Des trucs, des mûches, des machins. Le PQ. Le peignoir. On va en mettre deux. Voilà. Je sais pas, je sais que c'est pas fini du tout. Non, mais le truc, il est grand, hein. Et en vrai, on n'a pas tant de budget que ça, hein, pour refaire les baraques. Hein. Une petite plante verte, hein, parce que sinon... moi, j'ai... Alors, malheureusement, je n'ai pas de plante verte dans ma salle de bain. C'est trop petit. Ça n'a pas l'envie qu'il m'en manque, je ne veux pas vous le cacher. Je mettrais bien des rideaux aussi, moi, perso. Voilà, des trucs store, machin, assez simple, quoi. Ça, on est quand même dans une salle d'eau. Oh oui, mais ça gâche toute la plante. On va mettre la plante. Dun, 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 dun. Bah, ici, allez. Dun, 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 dun. Je peux la rapprocher encore un peu. Hop. C'est très simpliste. Hein. Il me reste moins de 1000. Oh, mais c'est quoi qui m'a coûté cher? Oh là 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 là. On va mettre un petit tapis blanc là. C'est... Non mais vous avez vu la taille de cette salle d'eau? On peut en mettre plein d'eau dedans. Pas de soucis, Snoopy. Ouais, c'est juste que ben, la semaine dernière qu'on a joué avec, mais ouais, cette semaine, j'ai pas beaucoup streamé. Il faut le faire plus que de 1, sinon... Mais ouais, non, non, ça, je sais. Mais j'étais pas sûre que ça avait vraiment fait monter le truc. C'est pour ça que j'avais remis 2. Et effectivement, c'était trop. Mais ça, parce que ça l'avait fait dès le départ. Tout ça pour 800 sinflous, quoi. Bon, on va arrêter avec la salle d'eau, hein. Et vous savez quoi? J'ai pas mis de luminaire. Ouais. Et j'ai pas refait le bural. Attendez, il y a peut-être moyen de gagner de la thune encore là. Non.
petit coucou, j'ai l'impression de revivre la fac à travailler autant une présentation mort de rire comme ça se passe ici, wesh. Bien ou bien? Agent 21, titi coin coin, agent 21, titi coin coin, agent 21, titi coin coin. Titi coin coin, il fait dodo sur le tapis là, chaton. Oh, t'as chaud mon cœur. Regardez, on va pouvoir récupérer 4000. Plusieurs plans d'air pour cacher la baignoire devant la baie vitrée. Ah oui, ce serait pas mal. Mais c'est quoi une... De quoi, ce coup, c'est quoi ta présentation, Marie? Vas-y, éclaire-moi de ta science. Que veux-tu dire, en gros? C'est quoi ces trucs de mise en situation que t'as dit? L'argent! Grave! Ah, ça fait du bien. Bah ouais, je voulais pas supprimer le PC parce que c'était un PC, quoi. Mais bon, ça ramène de la thune. On va pas se faire prier, hein. On va y mettre un autre PC après, regardez. Il vaut 1000 balles, celui-là. Attendez, on en avait un. On avait celui-là. Trop cher. Le gars, il voulait faire redécorer, il a perdu tout. C'est dit, mais quoi? Mais pourquoi vous me faites ça? Un petit fauteuil blanc, allez. C'est mieux? Non? Il a 10 fois moins d'affaires qu'il avait avant. Je pense que j'ai supprimé des trucs en vrai que j'ai pas, j'aurais pu... Vous savez, quand... Comme là, ça m'a supprimé le PC, ça me l'a mis dans mon inventaire de mon Sims au lieu de la mettre dans le budget. Bah, je pense que quand j'ai supprimé la cuisine, j'aurais dû faire vraiment comme ça. Il faut que je fasse une vidéo sur une situation de management. Comment je m'y prends pour un projet, que je vais participer, tout ça. Qui je vais participer? Une vidéo? Parce que genre, il y a le mec qui s'est dit que t'avais tout ce qu'il fallait pour faire une vidéo, quoi, c'est logique. Genre, tout le monde sait faire une vidéo, quoi. Ah oui, enfin, tu prends ton téléphone, tu te filmes, mais dans quel... des fois, j'ai pas envie de voir ce que ça donne, moi. Ah la vache, on n'a pas fait d'éclairage, hein, donc je vais retourner voir dans les éclairages. Ça, c'est ce qu'il avait. En vrai, c'est pas trop mal, moi, je suis pas... Je suis pas contre. Bon, là, t'as déjà un peu. Là, je veux bien remettre un... Là, on va pas trop en mettre, en vrai. J'ai pas mis de lumière dans la salle de bain. Bon, écoutez, on va pas se faire chier, je mets la même. Je crois que je l'aime bien, celle-là. Et dans la douche, y a pas de lumière du tout. Je suis une Sims de renommée mondiale, Madame la Banderole Kappa. Tu es une Sims? Tu es une Sims, toi? Tu es toi-même une Sims. Tu es dans un ordinateur... Et tu fais, tu vas sur MSN et tu crées quelque chose. Et tu gagnes des compétences. Et merci, Kirali, Crusp. Cruspé, peut-être, je ne sais pas. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Je suis fait mousse aussi, c'est tout. Hein, une à deux minutes. Ouais, mais après... Après, est-ce que c'est... Est-ce que, bon, tu peux toujours mentir, tu vois. Vu que t'as le temps d'en refaire 40 de vidéos. Je sais pas sur quoi il... Oh oui, combien? 100. Ah mais la douche high-tech. La douche high-tech, j'aime ça. Pourquoi la... Ah non, j'ai mon potal qui a bougé. J'aime pas quand ils font ça, les potals. Voilà, j'ai pas envie que tu bouges. T'es très bien comme ça. La douche high-tech. La douche high-tech, c'est bon, il y a de la thune, je peux revenir dans la salle de bain. Des plantes! Des plantes! Est-ce qu'on met des bambous? Des babous, j'ai dit. N'importe quoi. Si je perds le M dans mes phrases, je suis pas dans la merde. Ça! Non! Mais oui! Le truc de séparation, là, en feuillage! Il est juste magnifique celui-là. Ça. On met ça, je vais enfin pouvoir l'utiliser. Et salut Stray Kids. Et merci à toi pour ton follow, bienvenue. Mais t'as pas accès à l'inventaire de ton foyer? Non. La douche est toujours en bas. Non, 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 elle est montée. Ah non, 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 elle est montée.
Regardez, on va se faire un mur végétal. Bon, déjà, je vais le mettre dans la bonne couleur parce que je sens que je vais galérer. Alors, que je mette là où je veux. Là, voilà! Voilà, avec la banderole. Nya. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Eh! Merde. Ah bah oui, mais c'est le truc qui... Oh, puis alors, comme ça rame à moitié, c'est horrible. D'ailleurs, pendant que ça rame, je suis en train de me dire que je m'enregistrerai, parce qu'au cas où tout coupe... Wow! Wow! J'ai quand même un quelque chose qui reste. Tu voyais pas le carré? Non mais t'inquiète, t'inquiète. Bah dis donc. Il met longtemps à enregistrer quand même. Oh mon tutu, mon pauvre bébé. Il fait dodo par terre de tout son long. Comme s'il n'avait pas assez d'endroit pour dormir. Non, c'est parce que en haut de sa tour, là, c'est en matière un peu comme des plaids, donc c'est chaud. Donc je pense qu'il a chaud pépère. Oh mon tutu. Il est trop cute, j'ai envie de le manger. Est-ce que ça rame? Oui, ça rame toujours. Bon, c'est nickel. Oh, regarde. Là, tu vois que c'est surélevé. Donc ça pauvre passe. Pauvre chaton, il a pas de limaire. Indigne capa. La chambre est ouverte, hein, il dort où il veut. Hein. Petit chaton, il dort où il veut, maman, elle a dit. Ça, c'est pour améliorer ça, parce que c'est gris. Ew. Juste blanc. Ouais, non, mais ça, c'est trop épais, Jean-Guy. Ah! Nickel. Ça rend bien. Hein. Mais je peux mettre des meubles aussi. J'y pense jamais. Je pense tellement jamais à mettre des meubles. On pourrait même mettre une salle de... à lave-linge et tout. Si je me pris la pire des baignoires, quoi. Et en même temps, regardez le budget. Il est déjà fondu à 2000. Hein. On n'a pas encore fini, donc je vais pas trop en mettre, en vrai. Je vais mettre une petite panière. Voilà. Petite panière. Ah là là. Un meuble au-dessus des toilettes. Oula, j'étais au Sims 3, j'avais oublié encore une fois. C'est très blanc. Il aime pas le noir, alors je me dis, j'espère que pour lui qu'il aime le blanc, parce que là, la vache, j'en ai mis. On va lui mettre ça. Un total blanc. Allez, j'arrête avec ta salle de bain, parce que sinon j'ai plus de budget. Le salon, il est moche. En vrai, derrière, je pourrais mettre blanc. Audacieusement brossé. Allez. Ouais, je sais pas. Un tapis. Et après, trouver quelque chose qui habillera le mur, une toile ou deux, et puis ça sera largement assez. En tapis comme ça. Oh! C'est gris. Gris, c'est noir? Non, c'est... Moi aussi, je sauvegarde. Ah non, mais vaut mieux, hein. Jimmy, c'est fatigué à faire des escalades sur les rideaux. Putain, si tu savais. Bah là, il dort, hein. Depuis tout à l'heure, il roupille, hein. Donc, je sais pas. Il a pas fait grand chose de sa journée, hein. À part dormir. En même temps, moi, ça me va. Pendant ce temps-là, il fait pas de conneries, comme on dit, hein. Donc, bon. Un petit paranormal. On n'est pas... J'aime bien ce tapis, en fait, parce qu'il fait un peu moderne, quand même.
vu qu'on est quand même normalement en plus dans la modernitude. Il y a rien dans son appart, il y a rien. C'est triste. Ouais, la planche rouge, ouais. Tout à fait, je l'enlève maintenant. J'adore cette séparation que j'utilise tout le temps. Ah, la séparation avec les feuilles. Ah ouais, elle est trop bien. Elle est trop belle. Ça. Ça coûte cher. 300. Je l'aurais bien voilà pour meubler un peu ici, mais le fauteuil qui a rien à foutre là qui est ici, ça me fait triper. Je l'ai mis là et puis je l'ai oublié quoi. On va le mettre blanc avec des motifs. C'est triste hein, son appartement il était bien mieux avant hein. Oh, alors là Shirley, décoration d'intérieur tu peux être caché hein. On va mettre ça là. On va mettre une toile derrière là. Je suis pas sûre qu'il nous donne la thune. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Une plante entre les deux canapés. Ouais, ouais, ouais. Je vais déjà tabler sur. Ah, Moschino, Moschino. Mais il y a du noir, Moschino. Nanana. Je pensais à ça. Pas mal. C'est pas mal parce que t'as la couleur du canapé. Et une touche de rose. Enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faudrait que je mette une touche de rose dans la plante. Peut-être. Ah oui, on a ça. Bananier. Ah oui. Ah oui. Au pire, mais un feu de camp plein milieu, ça fera moins évident. Mais vous avez un truc avec le feu de camp. Il y a des carrelages à l'extérieur. Du carrelage? De la... Où ça? Sur l'extérieur, où? Ah oui, là! Ah non, mais alors, ça, c'est du codage. Regardez, ce que moi, je peux pas prendre... C'est des erreurs de codage. Et... Ouais, c'est bon, ça a remplacé. Des fois, tu peux pas le refaire, en fait. Des fois, tu peux pas. Ça m'est déjà arrivé de... Je pouvais pas retaper le truc extérieur. C'est quoi, ça? On est d'accord, c'est juste de la lumière? Ouais, c'est bon. Il nous reste 959 Simflous. Ta-ta-ta-ta-ta. On a l'ordi, tout ça. Putain, mais c'est vide. Hein. C'est vide. Oh, mon Dieu. Tout le budget, je l'ai mis dans la salle de bain. J'ai mis le budget dans la salle de bain. Après, t'as plein de petits trucs, là. On a oublié la glacière. Oh, mais il veut pas de cuisine, hein, aussi. Et les fours à poser, ça fait partie de la cuisine ou pas? Non. On peut lui mettre un four. Ça servirait à rien, on n'a pas fait de quoi mettre un four. Mais on pourrait lui mettre un four. C'est ça qui coûte cher, non? 300, ça va encore. Le truc, je vais le mettre à côté. C'est un peu bizarre, hein, quand même. Je suis d'accord. Vous trouvez ça pas terrible? Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Moi-même, je ne suis pas point convaincue. Oh là là, puis alors, t'as plein de place et t'as pas de toile, t'as pas d'art, t'as rien. C'est une horreur. C'est... Pas assez d'argent pour refaire un étage. C'est pas assez. Les Sims, ils sont radins. Ils nous ont pas donné assez d'argent pour... Voilà, on va mettre ça là. 200, allez. Pff. Là, c'est minimaliste. Bonjour. Hein.
Bonjour, je voudrais refaire mon appartement pour pas cher, mais alors vous vendez tout ce que vous trouvez pour refaire des trucs vachement moins d'objets. Merci. C'est un peu ça. Du noir. Tiens, du rose. Il y a du rose, du saucisson. Et Gilou avec son tic-tac accordéon. Ah non, mais ça va pas du tout dans le truc. Je voudrais faire quelque chose avec le bureau. Oh ouais, comment j'ai dit ça, le bureau. Avec le tapis blanc. Ouais, c'est pas mal ça. Tapis rond. Si tu n'as pas d'imagination, mets tout de suite l'option sur le tapis rond. C'est vide, mais c'est ce qu'il a demandé. Bah ouais, bah en même temps, heureusement qu'on a mis un énorme d'air pour meubler ici, parce que là, vu que la taille de la cuisine était immense. Salut River Jazz, comment vas-tu? Des plantes sur les étagères. Quelles étagères? Il n'y a pas beaucoup d'étagères. Il n'y a déjà pas beaucoup de meubles tout court. Ah non. Ah, c'est assez vide, hein, part encore mettre une toile là. Je suis point convaincue, mes enfants. Sachez-le. C'est 240. Ça va, c'est pas trop cher encore, ça. Il y a un peu de noir. Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Ah, ça, c'est pas mal. C'est contemporain. Je vais recopier la console que j'avais mis là. J'espère qu'elle n'est pas trop chère. 100, ça va. Bon. Écoutez. Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est un peu bizarre, mais bon, ça passe. Pas de soucis, mamie Oda. À peut-être demain, si tu veux. Tu regarderas la rediff? Ouais, pas de soucis. Derrière les canapés. Mais il n'y a plus d'étagère derrière les canapés. Je les ai enlevés parce que ça ressemble à rien au final. Voilà. Bon, il reste 300 simflouz. On va pas aller loin. Je pense que je vais mettre du bric-à-brac. Échantillon de couleur. Voilà. Plus on monte, plus... Ouais, plus ça coûte. Hein. Je voulais mettre les bouquins, là. Mais ça coûte. Vont être chers. Petite boîte de mouchoirs. Allez, petite boîte de mouchoirs. La 25 Simflouz, les mouchoirs. Ça fait la taille du bar. Ça va, moi je vois pas de noir, je vois pas de. Je vois le bar. C'est bien là, 274. Ah, les bouquins ils sont là. Je savais pas vu. On va les mettre là, sur le bureau, style, ouais, moi, tu vois, je travaille, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs. En termes de jolies toiles, un peu modernes et tout, c'est vraiment pas facile de choper, hein. Il faut vraiment, à chaque fois je le dis, mais il faut vraiment qu'on ait des toiles à chaque fois. La meuf qui est relou, mais qui... Mimi, moi il me faut des toiles. Nya nya et bou, coucou. Nya 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 et bou, salut Martial, comment vas-tu? Du pack Mojito. Le pack Mojito. Mais il y a déjà une plante. Il y a déjà une plante de dingue. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu moderne, tout ça. Est-ce que c'est nu noir? On sait pas. Un petit peu noir quand même, sur les bords. On est en pleine rénovation, Marcielux. Ah, ça, j'aime bien. Et on doit se taper donc tout le rez-de-chaussée. Et il veut pas de cuisine, mais il veut la mixologie. Donc il y avait une énorme cuisine ici qu'on a remplacée par les barres de batou. Et on fait ce qu'on peut, quoi. Eh, ils coûtent cher, les trucs, là. Ah, surtout celui-là. Il coûte
350 ans. Ouais, on a des décorations murales. Oui, mais bon, j'ai dépassé le budget, en fait. Ouais, donc, tac. Attends, je vais virer ça et je vais remettre... Attends. C'est là que je vais virer. 254. Bah ouais, mais bon. Le budget est là, mes enfants. 65. Ça, j'avais dit que j'aimais bien pour... je sais pas. Pour décorer. Voilà, on va mettre ça au milieu. Trouver une utilité de meubler un espace, tu mets ça. Enfin, oh, c'est original. Oui, c'est un designer américain. Tu vois, voilà. Et puis tu te la pètes, quoi. Tu dis de la merde et ça passe. Je l'appelle Moshito pour les fringues. Ouais, non, mais après, t'as quand même... Il y a une jupe et la veste qui sont sympas chez la fille. T'as quand même 2-3 trucs qui peuvent passer. Au niveau des meubles, c'est super. Et la carrière, je l'aime bien aussi, tu vois. Mais en vrai, ouais, t'as des fringues qui sont moches. Mais juste ça. Et moi, ça va, Martial. Que ça. Il nous reste, bon, 124... Voilà, on est à bout, hein. Enfin, on est à bout. Je suis à bout et on est au bout. Il y a quasiment rien dans cette baraque, dans cet appartement, mais ça me flingue. Ça va être affreux. Bon, il y a que la salle de bain qui tue. Hein. Il y a que la salle de bain qui tue. On lui fait don des 120 balles qui restent. En vrai, ça rend bien, hein. Designer américain là. Tu dis mal mon pseudo, visage qui pleure. Ah merde. Visage qui pleure. Ah, dis donc, il pleure beaucoup ton visage. Il pleure beaucoup. Eh ben écoutez, je n'arrive plus à me dire que je vais rajouter quelque chose. Ah si, peut-être une plante. Il y a toujours du budget pour une plante verte. Oui. Ça. Celle-là. Voilà. Fini. Ouais, je suis triste. Oh, Bichette, faut pas être triste. Comme dirait la vidéo là, chez Antox. Tu es triste? Arrête. Voilà. Y a pas d'argument, c'est comme ça, Martial. Tu faut pas. Point. Point. Je note. Pas d'argument. On va lui mettre une petite plante. Et ce sera bon pour moi. Il reste 14 Simflouz. Allez. On a géré. C'est pas beau, mais je m'en fous. Là, j'en ai marre, j'ai envie qu'il... Ah, il faut faire les photos, c'est vrai. J'avais fait les photos où, comment, je m'en souviens plus. Photos d'intérieur, après. Je sais plus trop où j'avais fait, hein. Je vais pas vous le dire. Simple, efficace et pas cher. C'est la morph que je préfère. J'avais fait une photo. Oh putain, il y a vraiment plus rien. C'est horrible. J'avais fait une photo là dans le coin là-bas. Oh, attendez, je sais pas. Voilà. Je t'ai monté. Voilà. On est allé dans le petit salon. C'est mieux de faire des avant-après quand vous avez pris exactement le même angle de vue. Enfin, moi, c'est comme ça que je le visualise, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est pas mal. Oh là là, j'avais pas vu en haut le four à corps. Ah bah, tant pis. Hein. Tu crois que j'ai que ça à faire, moi, tabarnak. On va aller au fond. Non, mais le coin bureau, il est cute, en vrai. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas de noir, au moins. Comme ça, il peut rien dire, le client. Hein. J'ai vraiment évité le noir comme la peste. Oh, puis ça rame, c'est horrible. Et je m'en rends compte. Hein. Vous inquiétez pas. Pas à peine de me dire, ça rame. Non, non, c'est chez moi que ça rame.
Ok. Ok. Comment on fait déjà? Décorateur, dire au client de revenir. Ah. Alors. Ouais, alors j'avais pas fait les photos que je pensais avoir fait. On a ça. Le salon. Je le reconnais pas. On va faire ça. Ah non. Attendez. Ça et ça. Bon, ce sera un peu en vrac, hein, on s'en fout. Vas-y, je m'en fiche. Je vais faire n'importe quoi. Ça va être horrible. Vas-y. J'ai oublié de faire la photo de la salle de bain, mais j'en avais pas fait au début. Donc c'est pas bien grave. Ah, il est là! Dévoiler les rénovations aux clients. Alors, ferme bien les yeux. J'aime bien avec les paillettes. Je trouve ça cute avec les mains sur les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire en dessous? Ah! L'enfer. Ouais. Va-t-il survivre? Ah bah écoutez. On va voir ça. Vous avez vu canapé bleu? Mais pourquoi? Il s'est coincé derrière. Non, c'est... C'est bon, il passe. Regardez ça, un canapé bleu! Non, les pieds, maintenant, ils sont blancs. J'avais pas fait attention. Enfin, il y a un petit peu de noir, mais... Comment ça, tu peux pas bouger? Regardez cette incroyable sculpture d'un artiste. Pourquoi ils peuvent pas aller où? J'ai pas compris. Ouah, regarde, t'as vu, c'est blanc en plus, c'est pas noir. Ce stress. Bon, il aime bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est keblo? Regarde le bar! Il est blanc! C'est de la mixologie, comme tu aimes. Il a l'air de kiffer quand même. Tu lui as dit que tu lui as montré qu'il fallait regarder le bar? Ça t'est mignon, mais parler de cuisine. Parler de cuisine alors qu'il aime pas ça, ça pourrait être drôle. Bon, vas-y, je te laisse regarder. Tu me tiens au courant, Jean-Mi. Niveau 4 de compétences charisme, waouh. Incroyable. Oui, enfin, t'es pas censé discuter avec lui, là. Il faut qu'il regarde. Regardez ça, le sol. Le sol n'est plus noir. Attends, t'as mis je ne sais combien mètres de carré de, mètres carrés de parquet. Sois content, un peu. Là, il dit, oh, je vais pouvoir boire le champagne. Et boire le champagne, moi, ça me va. Après, j'irais bien... Je voudrais bien que tu ailles tester la douche, mais je veux vraiment que tu réussisses... Alors, on va faire un truc, c'est que...
On va attendre le verdict et tout. On va rester à la maison. Il va prendre sa douche dans la douche. Il a pas l'air pressé, le mec, ou c'est moi? Est-ce que t'es bugué, monsieur le client? Mais qu'est-ce qu'il veut à me parler? Mais qu'est-ce que... Attendez, je re-sauvegarde, je sais pas, je me dis qu'il y a... Avec 3 barres, il a de quoi faire. Ah bah, j'espère, oui. Le champagne, ça vous gagne, c'est pas ça qu'on dit. Et tu sais, je l'ai eu en tête, Marine, j'ai failli le dire. Je me suis dit, bon, ouais, vas-y, ça va faire encore trop pub. J'ai failli le dire. Mais je me suis retiendu. Ah, oh, il tire rien, il retournait se coucher. Jamie, il le regardait là. Ah, oh. Si, mon frère. Oh! Bon, il a l'air happy quand même, hein. Demandez le verdict final. Tu l'as dit pour moi, ouais, c'est ça. C'est bon? On a la thune? Eh ben non! Moi, j'avais abandonné, hein. Je sens que je vais pas regarder, je vais pas continuer ce truc. J'en ai marre de perdre mon temps et mon énergie. Faut pas être payé. J'apprécie vraiment vos efforts, mais mec, j'ai retapé tout ton rez-de-chaussée, d'où tu me payes même pas un copec, quoi. Elle te plaît ta nouvelle télé, hein? Foiré. Oh merde, il a les pieds dans le carrelage. Mais moi non plus, je comprends pas, mais... Vous voulez la mort? Vous voulez mourir? Vous voulez mourir? Vous voulez qu'il meure dans d'atroces souffrances? Vous voulez quoi comme mort? Alors... Notification... Non, c'est commande, je crois. Commande du sim. Maintenir le Sims. Tuer le Sims. Parce que c'est codé avec le QQ. Tuer par la plante mère. On peut tuer de mort par la plante mère. Électrocuter. Plante mère. Froid. Colère. Faim. Mouche. Disons que c'est... On verra peut-être pas les mouches. Mais bon. Avec cette vapeur, la fièvre, vieillesse brûlée, électrocution mortelle par la foudre, mort d'épuisement, dévoré par la plante vache, mort de rire, mort par empoisonnement. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez une préf? Moi, je... Ouais, les mouches! Ou la honte? Le truc qui est la honte... Vraiment, c'est pas mal, tu vois, parce que comme il c'est un enfoiré, eh ben, on va le tuer, mais faut qu'il meure de honte. Qu'il ait tellement honte de lui-même de ne pas nous avoir payé, voilà. Ou les mouches, parce que ça, c'est cradingue, les mouches, quand même. Ça, c'est cradingue. Honte sur lui. Honte ou empoisonnement. Honte, honte. Vous êtes plus pour la honte. Honte à toi. C'est comme ça, hein. Ceux qui aiment pas ce que je fais, je les tue. Non, c'est pas vrai, hein. C'est que dans ce let's play là. On dira rien. Allez, mort de honte. Ouais, Lucas Lopez va mourir de honte. Ah non, n'assiste surtout pas à la mort, toi. Va là-bas. Va te balader là-bas. S'il te plaise. Vraiment, mon petit. Ah, la mort, elle est déjà là. Voilà. Exactement, ciao. C'est honteux, monsieur, honteux. Mais en vrai, du coup, je vais jamais avancer, moi. Ça me saoule. Je vais jamais la finir, cette carrière. Ça me demande un temps dingue, et puis en plus de ça...
Mais non, tu vois pas ce qui se passe! Regarde, il y a des gens là, genre la madame là, vas-y, va lui parler là. Respectueuse, parce que attends, t'es presque en couple. T'es en pré-couple. Va parler à la dame, je t'ai dit. Du coup, je sais plus où est l'appart, moi. Il est là. Yep là. On revient assister. On veut être sûr que la faucheuse embarque tout, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Personne n'a besoin que j'ai donné mon lit dans les premiers encore une fois. Mais c'est bien. C'est pas grave, on le fera par la mouche. Par la mouche. Merci faucheuse de nous avoir rendu ce service. Et nous on rentre à notre baraque. Encore une fois, une mission rondement menée. Malgré quelques petits couac-couac, évidemment. Mais tout va bien. Dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire. Et Kurt n'a toujours pas progressé dans son métier. Malgré tout cet entrain qui le caractérise. C'est-à-dire moi qui essaie de résister. Qu'est-ce que c'est ça? Moi qui essaie de résister, quoi? J'en ai marre. Ouais, Vadish, ouais. T'as raison, Gaston. Bon, eh ben, ce fut encore une fois un échec. J'en ai marre des échecs. Dans le jeu ou le jeu. Lol. En tout cas, merci YouTube de m'avoir regardé cette rediffusion, encore une fois un petit peu longue, 1h30. Et pour un résultat, encore une fois, très, très en dessous. Hein. Et on se dit peut-être rendez-vous la prochaine fois. Au pire, ce sera en vidéo. Allez, je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.